La deuxième relation à éviter absolument. Les plaintifs à double face. Ce sont des personnes qui vivent avec vous, qui vous fréquentent, qui se disent être vos amis, donc qui sont gravement avec vous, mais qui ne vous parlent jamais de ce qu'ils vous reprochent, mais ils vont le dire ailleurs. Ils vont se plaindre de vous ailleurs, mais jamais en face de vous, ils vous ont parlé de vos défauts, de vos erreurs, des choses qui veulent vous voir changer. Non, 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 non. Devant vous, ils sont toujours les acclameurs. Attention aux acclameurs. Attention aux personnes qui ne te disent que les bons côtés de ta vie. Monsieur, tu n'es pas parfait. Ce n'est pas normal d'avoir un soi-disant ami qui, lui, ne te dit jamais les mauvais côtés de ta vie, le mauvais côté de ton caractère qui doit changer. Les mauvais côtés de ton caractère qui doivent absolument subir une modification. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un me dise ce n'est pas normal. Ce sont les plaintifs à double face. Devant toi, ils sourissent. Devant toi, ils acclament. Mais quand ils sont avec les autres, ce sont des plaintes. D'ailleurs, moi je ne le supporte pas. Depuis un moment, j'ai remarqué, il est devenu orgueilleux. Depuis un moment, j'ai remarqué, il est devenu imbu de lui-même. Mais toutes ces choses, il peut te le dire en face, mais il ne te le dit pas. Vous êtes sûr, Jésus sur ce vie, Jésus sur ce vie, la fréquence des prédications.